Bonjour, on peut pêcher de toutes sortes de manières et en toute saison dans la Loire. Il y a les pêcheurs du dimanche, ceux dont c'est le métier, ceux qui sortent à la nuit tombée et ceux du soleil levant, ceux qui pêchent à la canne, au filet ou aux engins. Bref, aujourd'hui, c'est pas une mais plusieurs parties de pêche que l'on s'offre. On commence notre partie de pêche au nord-est de Nantes. Rencontre avec Giovanni Marino à Mauves-sur-Loire. Il est pêcheur aux engins et c'est même un peu lui qui a réhabilité la pêche à l'épervier sur ce coin de Loire. C'est son tonton italien qui lui a donné le virus. Bonjour. Bonjour. On part à la pêche, il paraît. Ah oui. Ouais. On a de la chance, c'est une super journée. Ouais, mais je veux bien un petit coup de main pour pas trop aller dans l'eau. Allez, hop, ça marche, hein. En route, hein. La pêche à l'épervier, c'est un filet, un rond, circulaire, avec des poids qu'on jette par-dessus l'épaule et qui retombe au fond de l'eau. En retombant au fond de l'eau, il y a des petites poches. Quand on retire le filet, le filet se referme comme des griffes d'un épervier. Les caractéristiques un peu de cette pêche, c'est quoi? L'avantage de cette pêche, c'est qu'on peut prospecter un peu comme une chasse. C'est-à-dire qu'on va se promener au bord des rives du fleuve, des rivières, même en mer. On se promène et on essaye de scruter, de voir à quel endroit on peut repérer un banc de poissons ou même un poisson. Et ensuite, on tire. En Italie, ils appellent ça un tir. Parce que c'est vraiment comme un chasseur qui tire sur sa proie. C'est la même chose. Sauf que bah, voilà, là, on englobe la proie avec l'épervier. Le poisson, mais sinon dans le principe c'est presque une chasse plus qu'une pêche. On sait que le poisson, quand la marée monte, a tendance à revenir un petit peu sur le bord, et quand on pêche à pied, eh ben, on a beaucoup plus de chances de faire une bonne chasse ou pêche. Quand je suis arrivé sur Nantes et que j'ai découvert qu'en Loire on pouvait pêcher à l'épervier, ça a été... quoi. Je me suis dit, bon bah, je prends ma licence. Allez, et puis voilà, depuis je pratique cette pêche avec plaisir. Ça me permet de me retrouver au bord de l'eau régulièrement et c'est agréable, c'est une ressource. Non ? Ben non. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, au bout d'un moment... Le poisson, il a compris qu'il se passait un truc. Hein. L'épervier, c'est une pêche qui est pratiquée partout dans le monde. Aux États-Unis énormément, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Thaïlande, dans tous les pays asiatiques. Portugal, en Italie. Par contre, on pêchait régulièrement en Loire. Il y avait des pêcheurs à l'épervier en Loire. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien à pêcher comme ça? Maintenant, je crois qu'on doit être une petite vingtaine. Sur tout le fleuve, hein? En tout cas, par ici. Par ouais, ici ouais. Allez-y, on les sent, là. Vous sentez taper? Ouais, carrément. Allez, ça y est. Pas mal, carrément. Alors, là, pour le coup, eh ben, on sait qu'il y en a... Ah, je pense qu'il y en a quelques-uns, effectivement. Ah, bonne pêche. C'est vrai? Ah ouais. Alors je vais vous aider. Hop là. Il en a combien? Eh ben écoutez, j'en avais cru en voir 4. Oui, il y en a bien 4. Ah génial. Des mulets? Exact. Qu'est-ce que vous ramenez comme mulets. Poisson? Alors un peu de tout. En fonction des mailles, on peut prendre forcément la friture. Ou sinon, dans certains coins, on pêche aussi du carnassier. J'ai pris des brochets, du sandre, des perches avec des mailles un peu plus petites. Et forcément beaucoup de mulets en Loire. Allez les chéris, c'est votre jour de chance. Hein. Allez, hop là. Oh, ouais. Jouez au loto, les gars, hein, parce que ça sera pas comme ça tous les jours. Alors, ils vont rejoindre leurs petits copains. Et voilà, ils sont partis. Ah, les petits choux. Bravo, Giovanni. Là, c'était du no-kill. Hein. Ah bah là, on y est. Ouais. L'avantage, c'est qu'on fait vraiment pas mal aux poissons. Mais c'est lourd. Ah, ça va? Ouais. Faut bien lever le coude. Ouais. Voilà, c'est une pêche de gonzesse, votre truc. Voilà, là vous êtes parés, vous faites comme moi. Et je fais quoi, là, maintenant? Faites-moi voir le geste sans le filet, là. Faites-moi voir. Hein. Je vais en profiter un peu. Il a pêché chaud, hein. Moi, j'ai rien pêché. Oh, la
pêcher des herbes. Bon, d'accord. Cette fois-ci, j'ai rien ramené. Mais c'est parce que Giovanni, lui, il remet les poissons à l'eau et moi, bah, je les laisse au fond. Ça se tient, non? On file sur le lac de Grandlieu pour pêcher l'écrevisse. Secteur protégé par excellence, tout le site est habituellement fermé au public. C'est donc avec beaucoup de plaisir qu'on est allé y passer une journée. Le plus beau pays du monde. La première fois qu'on voit le lac, c'est vrai que c'est quand même... C'est assez magique, c'est sûr. C'est cette surface, cette grandeur, ouais. Ouais. De végétation, d'eau... Les écrevisses, c'est la pleine saison en ce moment. Ça c'est quand même ça fait partie des belles écrevisses. Son histoire, ça remonte à pratiquement 40 ans. C'est une écrevisse de Louisiane, qui arrive de Louisiane, et elle est arrivée en Europe dans les années 70. C'est un Espagnol qui a commencé à travailler cette écrevisse, et des Français ont fait la même chose. Et puis aujourd'hui, d'année en année, ben, colonise pour dire tout le territoire. Il y a une douzaine d'années, les gars en pêchaient une de temps en temps, et puis deux, et puis l'année d'après, c'était un saut, et puis ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça a été l'explosion vraiment en 2007. La flèche, là, ça s'appelle un verveux. Si on lève celui-ci, voilà, il y a un filet au bout. Voilà, on peut voir sur toute sa longueur, hein. Comment est capturé le poisson. Quand il y a beaucoup d'écrevisses comme ça parmi les poissons, l'écrevisse sans arrêt avec ses pinces, donc ça abîme le poisson, l'anguille, ça abîme tout quoi. Et les filets aussi. Bon, c'est un crustacé d'eau douce. Hein. On la compare souvent à une langoustine, mais bon, c'est quand même pas la même chose, hein, c'est pas la même chose du tout. Ça a une chair qui est beaucoup plus ferme. Plus ferme. Bon, faut bien assaisonner parce que autrement c'est un petit peu fadasse, quoi. Mais elle est bonne, elle est très bonne. Oui, oui. C'est toujours la découverte quand on lève la poche. On est 7 pêcheurs. 7 pêcheurs professionnels au lac de Grandlieu. Pour moi, il appartient à personne et à tout le monde, quoi. Hein, tout simplement. Et j'ai la chance de pouvoir y vivent et y travaillent. C'est quand même un grand site de nidification pour beaucoup d'oiseaux. C'est une réserve naturelle, donc il n'y a pas de... Il n'y a ni balade, ni quoi que ce soit, ni loisirs. C'est strictement interdit sur le lac de Grandlieu. Quand les vents sont bien porteurs, j'entends la ville de Nantes. Donc c'est vrai que c'est quand même un endroit à 10 minutes de Nantes qui est quand même assez magique, quoi. Il y a un échange... indirect entre la mer et le lac, par la Chenaux, le canal de la Martinière et la Loire. Donc il y a des écluses hein, au lac pour réguler les hauteurs d'eau. Quoi. Voilà l'échange qu'il y a, d'où ce flux migratoire d'anguilles, de poissons. Voilà, l'anguille, elle a des reflets toutes jaunes, orangés. Ça, c'est dû au phénomène de l'écrevisse. Elle mange tellement d'écrevisses qu'elle en devient orangée. C'est incroyable, ça. Hein. Tous les oiseaux aujourd'hui, beaucoup d'oiseaux en mangent, les brochets en mangent, le cendre en mange. Et je mange des écrevisses aussi. De la campagne à la ville, changement de décor et direction Tours en Indre-et-Loire, en compagnie de Dimitri Kopiek. Adepte de street fishing, le jeune pêcheur m'explique tout sur cette pêche urbaine très tendance. Bonjour Dimitri. Bonjour. J'ai failli pas vous trouver, vous bougez tout le temps. Bah ouais, c'est ça d'être itinérant. Vous êtes adepte du street fishing et c'est le principe finalement. Hein. Tout à fait, ouais. Pourquoi en marchant? Pourquoi vous ne vous posez pas? Parce qu'en chasse quand même, on cible quand même vachement le carnassier. Ouais. Tout ce qui est perche, brochet, cendre, silure. On est tout le temps en train de vraiment chercher la cachette du carnassier et on va essayer de le déloger pour le prendre. Et puis vous pêchez léger, vous êtes super autonome, il y a juste votre petit sac derrière. Une deuxième canne? Une deuxième canne, alors pour sélectionner les poissons en fait. On va avoir plusieurs cannes pour sélectionner plusieurs poissons. Donc là on va être sur une canne qui est une canne on va dire qui est plus polyvalente, qui va un peu passe-partout. Et vraiment là après la canne fine, on va être vraiment plus sur la canne beaucoup plus légère. Donc ça pèse vraiment rien et ça va être vraiment plus pour faire de la pêche perche et des petits aspes ou vraiment des plus petits poissons. Quoi.
Vous pêchez entre midi et deux. Matin, vous allez au bureau? Oui, voilà, je bosse la journée. Donc, et puis, entre midi et deux, si j'ai possibilité d'avoir un cours de pas loin, on essaye de profiter un peu de sa passion dans tous les moments, dans tous les lieux, un peu partout. Le midi, ça vous dirait pas de vous faire une terrasse avec votre femme? Non, vous faites du street fishing. Voilà, ouais, c'est non, c'est... On va dire, je prends en plus. Non, mais vous avez le droit, il n'ose pas reconnaître qu'en fait, il aime bien le street fishing. Ouais, j'adore ça, j'adore ça. Non, puis c'est un moyen aussi de décompresser aussi vis-à-vis du boulot, quoi. Alors, les street fishers sont no-kill, pratiquent le no-kill. On va dire les 98%, parce qu'on ne pourra pas dire les 100%. Il reste pas beaucoup. Voilà, 98%, je pense, sont en pêche no-kill. Donc no-kill, c'est vraiment remettre le poisson à l'eau, c'est le remettre dans de meilleures conditions aussi, c'est pareil. On dit qu'on pratique le no-kill, mais bon, le no-kill, c'est aussi ne pas abîmer trop le poisson si on le remet à l'eau. Mais alors, si vous pêchez, vous remettez à l'eau, vous pêchez quoi? Pour le pur plaisir? Une fois qu'on a pris un poisson au bout d'une canne, on sent des sensations qui sont assez magiques. Et moi, j'en suis tombé amoureux de cette sensation-là, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pêche énormément. Qu'il soit pêcheur amateur, pêcheur professionnel, jeune ou retraité, c'est bien la passion du fleuve qui réunit nos héros du jour. Pierrot Vivier est installé à Anceny, dans le Maine-et-Loire. Il pratique son métier de pêcheur depuis 50 ans. Bonjour Pierrot. Ça fait 51 ans cette année. 51 ans que vous êtes sur l'eau? Oui. Vous êtes tout jeune, vous avez commencé à quel âge? 16 ans et demi. Ah. 16 ans après l'école. Quoi. Vos parents étaient déjà pêcheurs? Oui, pêcheurs. Ça vous a plu tout de suite? Bah oui, on est né un peu là-dedans. Quoi. Puis bon, moi, c'est l'eau, puis c'est tout. C'est pour ça que j'ai du mal à prendre ma retraite. Et Monique, elle vous suit depuis combien de temps? Ah ben Monique, ça fait 47 ans qu'on est mariés cette année, alors. elle est venue à la pêche quand on a eu nos enfants. C'est une belle aventure. Oui, on a une vie parfois dure, mais une belle vie. Aujourd'hui, on a ramené l'amproie et l'alose. Oui. L'alose, c'est un poisson qu'on connaît pas très bien. Qui vient de la mer. Un très bon poisson qui monte à partir de la mi-mars à peu près, quoi, jusqu'à la fin mai et juin. En juin, il y a des fois des grosses alloses et foin, au moment des foins. On la compare souvent au saumon, l'alose. Hein. Ah bah, malheureusement, c'est qu'il y a dans sa manière de vivre, en fait, et de remonter, justement. Elle aussi, elle va frayer, celles qui ne sont pas pêchées, bien sûr. Elles vont frayer, puis elles crèvent, comme de la lamproie. Une fois qu'elles ont... Elles font qu'un tour dans leur vie. Ouais. Donc, durée de vie courte, hein. Oui, c'est la nature. Alors, il y a un poisson qu'on n'a pas ramené, c'est le silure. C'est incroyable génère, ce poisson-là. Oui, là, c'est pas le top. Il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent, mais il laisse jamais indifférent, celui-là, le silure. Bah, nous, on voudrait pas le voir, toi. Je me suis laissé dire que vous aviez été le premier pêcheur à en sortir de la Loire, du silure. Ah ben, en 70, oui, d'après dans toute la région, d'après la fédération de pêche, personne n'en avait vu. Et nous, on se demandait ce que c'était. Quand vous avez eu ça dans votre filet, vous avez dû faire une grosse tête. 40, 50 ans, il était photographié à côté de moi, il paraissait pas à côté du silure. Qui était pas gros, qui faisait 11 kilos. C'est... Mais on a fallu trouver des livres pour savoir ce que c'était. Vous n'avez jamais vu ça, non. Puis maintenant, il y en a plein, surtout dans le haut, là, dans Saumurois et tout. Alors là. C'était il y a une quarantaine d'années. Oui. Ah très bien, oui. Elle est parfaite cette femme-là. Ah, non mais, oh non, il y a des défauts, mais il y a une passion. Une passion pour la Loire ou une passion pour votre mari? Les deux. C'est marrant, hein, je savais la réponse. Tout près d'ici, à la Meilleraie exactement, la pêche à l'anguille se pratique en famille chez les Perrault. Et dans ce poisson de Loire, vous allez voir, tout se transforme. Alors ici, on est à la Meilleraie, village de la Meilleraie, un ancien village de pêcheurs qui appartient à la commune de Varade, en face Saint-Florent-Luel. C'est le fief de la famille Perrault. On est pêcheurs dans la famille depuis 10 générations. Ça, c'est la pêche d'anguilles de cette nuit. Voilà, donc là, on a à peu près 150 pièces. Ces anguilles-là, c'est les grosses anguilles, elles font 1 kg de moyenne. Hein. Et en ce moment, elles dévalent la Loire pour rejoindre la mer et pour s'en aller pondre dans la mer des Sargasses. Voilà, une anguille d'avalaison, c'est ça. Hein. Voilà.
T'as vu, ce sont des grosses anguilles, on appelle ça l'anguille argentée. Ça, ce sont des anguilles qui sont matures pour la ponte, hein. Enfin, ou quasiment. On l'appelle anguille argentée aussi à cause de la couleur. Voilà, c'est une anguille qui a des gros yeux, une grosse pupille, hein, bien dilatée. Alors, le programme de l'après-midi, c'est donc de se reposer un peu, mais on a aussi des anguilles à dépouiller. Et toutes les peaux qu'on va récupérer, ben, moi, je vais les porter à ma mère et qui bricole un peu avec, quoi. Alors là, c'est parti. Donc, on prend donc les anguilles. Alors ça, c'est une petite invention à nous, ça aussi c'est familial. Ça, c'est mon grand-oncle qui m'a fait ça, le petit frère de ma grand-mère, qui est assez ingénieux, et qui nous a fabriqué une petite pince pour nous aider à dépouiller nos anguilles, quoi. C'est reposant par rapport à la pêche. C'est plus facile de les dépouiller que de les pêcher. Hein. C'est assez épais, c'est une grande chaussette, quoi. Salut. Je te ramène des pots d'anguilles. Ah super. Tu vas voir, t'en as que des plus grosses que d'autres, mais... Ouais, je vais les trier. Okay. Et puis on va voir. Ça peut devenir un beau porte-monnaie. Ou alors sur une belle toile, où il y aura un fond de peinture. Ça peut vraiment être très 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 joli. Et là, elle est belle. Hein. Les anguilles sont pêchées. Elles sont dépouillées, les peaux sont arrivées à destination. Voilà, moi j'ai fait mon boulot. Hein. Elle est marbrée. Elle est comme je les aime. Voilà, comme ça. Grand-père me disait qu'avec les peaux d'anguille, on pouvait faire plein de choses. Les fléaux pour battre le chanvre, il mettait ça autour des roues de vélo pour amortir les chocs, parce que les vélos, c'était du fer. Et je me suis dit, il faut que j'essaye. J'ai eu ma période bijoux, j'ai eu ma période tableau, j'ai eu ma période trousse scolaire aussi. Et puis, j'ai eu ma période porte-monnaie. Je change tout le temps. C'est ça qui est intéressant. Dès que ça devient un loisir, on peut en faire ce qu'on veut. L'été, il y a des gens qui viennent, ils passent le long de la berge, ils s'arrêtent, ils savent qu'il y a du cuir d'anguille. Quelquefois, j'ouvre mon jardin, ils viennent voir. Mais je ne demande pas plus. Hein. Restez au calme, pas perturber notre petit village de pêcheurs. Bonsoir, Eddy. Bonsoir Sylvie. Ça va? Et vous? Ouais, c'est ma première pêche de nuit. Ouais, il y a une première pour tout. C'est aujourd'hui. Je vous embarque alors? Ouais, c'est quoi le programme alors? Allez-y, on fait quoi? On monte sur la plate? Sur mon civelier, et puis après on va monter dans le trou de Basse-Goulaine pour aller pêcher les cygnes. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est beau Nantes comme ça de nuit, hein? De l'eau, hein? La passion de la pêche, Eddy a ça dans la peau depuis qu'il est tout minot, quand il partait sur le bateau de son grand-père, civelier lui aussi. C'est pourtant pas facile, la pêche à la civelle. Elle s'attrape de nuit et en hiver. Chaque pêcheur travaille sur sa parcelle et doit respecter des quotas annuels imposés sur le fleuve. Une pêche qui suscite bien des envies, 3 civelles sur 10 sont braconnées. Eddy connaît toutes ces petites bestioles qui le tiennent éveillé chaque nuit, ou presque. Pourquoi il faut attendre qu'il fasse nuit pour pêcher la civelle? Bah, vu qu'elle n'a pas de pigment, elle n'aime pas la lumière du jour, donc elle reste tapis dans le fond de l'eau, à marée haute, elle se laisse décoller pour être portée par le courant, quoi, pour pouvoir progresser dans le fleuve. Et on la pêche exclusivement de nuit ou quand l'eau est vraiment sale, chargée en sédiments. D'accord. La saison, c'est de décembre à mi-avril, avec un pic en général au mois de mars. C'est là où on en pêche le plus. Ça joue par rapport à la température de l'eau surtout. Pourquoi la civelle d'ailleurs? Pourquoi pas un autre poisson? C'est pas un poisson qui se pêche facilement, donc faut avoir du flair comme on dit. Quoi. Sérieux? Ouais. Et vous êtes passé par quoi alors pour y arriver? J'ai fait l'école de pêche à Nantes. J'ai passé un brevet conduite d'exploitation d'un navire de pêche.
Et après, à l'âge de 20 ans, j'ai fait ma demande de licence en Loire. Et comme on m'a dit que j'étais trop jeune et pas assez d'expérience, donc c'est pour ça que j'ai fait un an de compagnonnage avec mon grand-père pour valider tout ça. Et après, j'ai refait ma demande et là, ça a été accepté. J'ai pris sa suite il y a 11 ans de ça, du coup. Il partait en retraite et du coup, j'ai repris la suite derrière lui. Et d'ailleurs, c'est son bateau, ça. C'est quoi l'histoire de la civelle, en fait? On dit que c'est les bébés anguilles. Hein. C'est ça, c'est les bébés anguilles qui naissent dans la mer des Sargasses, de l'autre côté de l'Atlantique. Par le gré des courants, du Gulf Stream et tout, ils arrivent sur nos côtes, au stade Alvin. Et après, ils remontent nos fleuves le plus haut possible qu'ils peuvent aller pour pouvoir grandir. Et une fois qu'ils sont arrivés à maturité sexuelle, ils retraversent toute l'Atlantique pour aller pondre là-bas dans la mer des Sargasses et après, ils meurent sur place. Sympa. Évidemment, on n'a pas le droit de pêcher tout ce qu'on veut, il y a forcément des quotas. Voilà, cette année on est cantonné à 135 kg de civelle. Bon, par pêcheur, sur la saison, et dont 60% du quota va au repeuplement et 40% pour la consommation. Alors ça fait pas lourd, mais en même temps, une civelle c'est pas gros non plus. Il faut à peu près 2500 civelles pour faire un kilo. Donc là, on a mis les grosses épuisettes, là. Voilà. Donc elles sont placées comment? Comme ça, là? Elles sont placées, c'est nous, c'est en avançant qu'on tend les poches. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, là, on va faire des ronds dans l'eau, en gros. Okay. Et tous les 5 minutes, on va relever les épuisettes. Et du coup, en fait, c'est vous qui réglez la hauteur? C'est moi qui règle la hauteur par rapport à la hauteur. Là, on est à 2,40 m, je me suis mis à 2 mètres. Ok. Pour éviter de taper dans le sable. Et après, c'est vous qui décidez quand est-ce qu'on relève, non? C'est ça. Pour faire du beau poisson, il faut relever assez fréquemment, quoi. Dans les années 80, il y avait à peu près 700 bateaux qui exploitaient la civelle. Maintenant, on est plus que 105, à peine 150, donc on est plus à serrer les coudes maintenant qu'autrefois. C'est qui les plus gros consommateurs de civelle alors? C'est les Espagnols. En France, c'est très très peu consommé, quoi. C'est, vu que c'est hors de prix, maintenant les gens... Avant, c'était le plat du pauvre, on donnait ça aux poules à manger, même, il fut un temps. On a même fait de la colle, tellement il y en avait en abondance. Non. Et depuis la rarification de l'espèce, et c'est devenu un mets noble, hyper cher, quoi. Ouais. J'ai connu des années où on est monté quasiment à 1000 euros le kilo. Et là, on est à combien? Aux alentours de 300 euros à peu près le kilo. Ça s'est toujours pêché comme ça? Toujours. En Loire, on la pêche comme ça, c'est depuis tout le temps, avec des deux tamis de diamètre 1,20 m. C'est réglementé? C'est très réglementé, ouais. C'est une espèce qui est très réglementée. On a à peu près 45 tonnes à pêcher cette année en France. Et la Loire, on a 30% du quota, 30-40%. Donc c'est la Loire où on pêche le plus de civelles. Oh, il y a plein de cracras. Ouais, on va séparer justement. Ah, d'accord. On va enlever la saleté. Jamais regretté? Jamais. Pourtant, on m'avait dit là-bas, quand je voulais me mettre à la pêche, tu sais, Eddy, il n'y a pas d'avenir dans le métier, c'est de plus en plus compliqué. Et ça fait 11 ans que je fais la pêche et j'y suis toujours. Quoi. Même en hiver, même quand le réveil sonne dans la nuit, ah, fait ouais, froid. tout le temps. Je vais faire 85% de mon chiffre d'affaires sur 6 mois. Après, je suis d'accord, c'est pas la meilleure période. En général, il fait froid, il pleut, il y a du vent. Mais quand on sait que c'est une fait vie toute l'année, on se lève. Hein. Et puis après, moi, ça me dérange pas. J'aime bien être sur l'eau, sur mon bateau. J'ai personne sur mon dos à regarder ce que je fais. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de rentrer, je rentre. Si j'ai envie d'insister, j'insiste. Ouais. Je suis maître de mon destin, entre guillemets. Dommage, hein, mais on remonte les filets, on range les engins, on sort les pieds de l'eau, la partie de pêche est finie, mais on se retrouve dès la semaine prochaine, sûrement les pieds au sec. À bientôt.